Bonjour tout le monde, ici Caribou Kanye Koupar. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure de Resident Evil, The Village, épisode 2, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon. Une mine. Je vais pas l'utiliser. Certains... Oh, il y a quelque chose là. Ben, le shotgun. Pas sauter là à cause de la clôture. Collins! Collins! Je me protège mieux.
perdu. Ok. Ça bouge trop, j'irai pas là. Fermez la porte. Vite. Oui, je sais, Yasti. À la maison à côté des champs. Approche pas. Oh, c'est bon. Vous faites pas de mal. Nana, non, non, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Oui, 3-4. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Tais-toi. Il n'est pas d'ici. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Moins fort. Relax. Il doit y avoir un accès. Restez ici. Sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. C'est ouvert. Vite, vite. Vite, vite. T'en as mis du temps. Ouais. 2 secondes. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. Ouais. On sera à l'abri ici, n'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur. Vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Papa! Il faut qu'on entre! Il faut que tu t'accroches, papa. Un tournevis. Alors on a trouvé ces personnages-là. Connaître à ma voix. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Police. Arrête de crier. Tu vas attirer les monstres. Liliane, du calme. C'est qui, lui? Mon ami. Reste où t'es. Papa! Je t'en supplie, Liliane, laisse-nous entrer. Ils vont sentir le sang. Vous nous mettez en danger. Mon père a besoin d'aide. C'est pas mon problème. Que se passe-t-il? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Oh, allons, ces gens sont nos amis. Allez-y, rentrez. Venez, par ici. Vous n'êtes pas de ce village? Non. Moi, c'est Ethan. Julian, rends-toi utile.
et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire? Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Entrez, Ethan. Merci, Louisa. Restez ici. Je vais voir les autres. Louisa, une partie du bétail a encore été tuée. Et ça continue, nous passerons pas l'hiver. En Ernest, qui a disparu, nous n'avons toujours pas retrouvé sa trace. Mère Miranda nous a arrêté à l'abandonner. Venez, les autres nous attendent. Ah. C'est qui, lui? Un étranger? Vous allez tous nous faire tuer. Anton, du calme. Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sortait très bien sans lui. Venez, Ethan. Asseyez-vous. Vous êtes les seuls survivants de tout le village? Les seuls survivants? Les seuls survivants? Il n'y a pas de survivants! Un pauvre... valide. Une conne qui arrête pas de chialer. Et vous? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était? Et vous pensez être à l'abri? Personne n'est à l'abri. Tous les connards dehors se sont fait triper. Et demain... demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. Mais la veilleuse, Roxana. Ça suffit. Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, à la fin? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille. Mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis, il en est venu d'autres. Attendez, Louisa. Où est votre mari? Ils l'ont... Non. Non, non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Prions. Pour lui. Pour nous tous. Bonne idée. Venez. Approchez. Ô puissant, entendez-nous, unis ensemble dans la prière. Nous demandons, depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice. Et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Bien, le thé doit être prêt. Aide-moi, Elena, veux-tu? Cette prière, je l'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sorcière. Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. Et j'espère que ça la protégera tout autant que nous. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Leonardo, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Ah
Il y a... Akiba. Ça suffit. Oh mon Dieu. Je te demande pardon, papa. Hey, regardez-moi, c'était plus votre père. Vous avez fait le bon choix. Elena. Elena. Non. Y a plus rien à faire. Papa. Tu risques de s'effondrer. Pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule. Non, non, on va sortir d'ici tous les deux. Faut que je sorte d'ici. Tout est vide dans cette maison pauvre là. C'est du pick-up. Tournez vite ce que j'ai besoin. Une voiture neuve, c'est bien ça. Vous allez faire quoi? Reculez. Je vais tenter quelque chose. Essayez. Ça brûle. On n'a plus le temps. On n'a pas le choix, faut monter. Venez, vite. Vite, vite. Allez. Ça va aller. Essayez de pas respirer la fumée.
enlèverait des chemins, ce serait gentil. Ouais, 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 peut-être en me vider de là en même temps, ça aiderait. Ouais, ouais. On va sortir par là. Dieu merci. Mais après, le village est infesté de monstres. On peut pas aller s'affronter. Il y en a trop. Non, non, non. Tout va bien se passer. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa? Tabarnak. Elina, c'est trop tard. C'est plus lui. Elina. Oh. Il me reconnaît. Papa. C'est trop dangereux. Elina, calice. Tenez, attrapez ma main. Ethan, partez. Sauvez votre fille. Elle crie même pas. Elle tombe dans le feu, mais elle crie pas. M. Dammermaid Queen. Salut. Elena n'est plus là. Elle est partie par là. Je comprends pas. On n'est pas en train de jouer à un fin dessin, là. Elena! Elena! Pourquoi? Bon, allons ouvrir ça. Tournevis. Oh, on a les deux. La vieille folle de ta... Oh, c'était Miss Mistriou, je pense, elle. Yeah.
Oh, yeah. Oui. La mort leur a tous rendu visite. Tout est normal, là. Bon. J'imagine que ça mène au château. Et voilà. Rien d'autre que le sang et la mort. Hein? Tiens, je pensais que tout le monde était mort. Tu dois être un dur à cuire, toi. On l'a vu ces photos tantôt, là. Oh, t'es pas d'ici. Encore mieux. Mère Miranda va t'adorer. Game over. Arrête de geindre, on y est presque. Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme, et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers. De plus, je vous promets que si vous confiez ce mortel à la famille Nutristour, mes filles et moi-même nous chargerons. Ouais. La femme de Chucky. En gros, fermez-la, vous deux. En gros, tu veux le garder juste pour toi, et nous, on s'amuse quand? Laissez-le moi. Et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie. Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme... Oui, on sait. Il va perdre son petit oiseau à la porte du château, blablabla. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins... Il y a une raison pour ça, sûrement. On n'a pas l'histoire encore. J'ai pris ma décision. Heisenberg, le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant et son dévouement envers vous est discutable. Elle est grande, comment qu'elle est grande? Et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde et sois pas mauvaise joueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent.
Morveux, c'est toi qui contestes la décision de Miranda. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir. Ah, c'est ça, continue à grandir, ta tête rattrapera peut-être ton ego. J'ai peut-être mon mot à dire, non ? Silence ! Ma décision est sans arrêt. Prise. Inutile de discuter. N'oubliez jamais d'où vous venez. Merci, mère. Lycan, les messieurs. Merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu. Nous voyons ce que je vous montre. Ethan Winters. T'es prêt? Oh, Alice, la dernière affaire de sauvegarde est loin. À moins qu'il y ait une sauvegarde automatique, je crois pas. Ok, là.
j'ai chaud. Attends, c'est ces barges qui ont rose. J'ai toutes mes armes. Bon, ça c'est le début. Je vous attends. Ça, c'est les marchands. Vous connaissez mon nom ? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. J'ai dit marchand, mais entendu, j'ai trouvé de l'argent. Ce château a quelque chose de suspect. Ouais, un peu comme vous. Je ne suis qu'un humble marchand. Ici ? Je me présente. Je suis le duc. Parlons affaires. Armes, munitions, remèdes, tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. Bienvenue. Donnez un coup de pouce à vos armes. Vos articles pour vous, monsieur Winters. Ah, les crânes cristallisés. Pour vendre. Je peux vendre des crânes cristallisés. J'en ai 5, ça fait un job. Ah, plus de place dans l'affaire. Mais j'ai pas envie, indisponible. Assez de puissance de feu. Si vous voulez, je peux trop cher. Améliorer vos armes. Ouais. J'ai Hop. Hâte de voir les fruits de votre exploration. Pas des cochonneries. Un manoir. Je pense que c'est Miss Dimitriou, quelque chose comme ça. Les deux filles. Est-ce que Rose est ici? 5 janvier. Rednik. Livraison d'un homme et de 3 femmes. Mère Miranda entretient avec Madame Dimitriou. Le duc. Discussion d'affaires. Salut soldat, comment ça va?
d'argent. On ira voir après. On a une porte site encore pas ouverte. Oh. Les balles. Bella, Cassandra, Daniela. Oui. Comment ça va, soldat? Salut, Bloodlust. Pour que c'est barré, ça. Hey, t'es chez le caribou. Prends ta chaise, puis regarde-moi. Hein. Tu es le visage des quatre anges. Tu cherches Rose? Ah, c'est des filles. Les trois filles de Noob 55 Gaming. Bienvenue à la tribu du Caribou canadien, mon ami. Ça fait super plaisir de t'en faire là. Oh yeah! Hey, ce gars-là, il se met à mener. Miss Dimitrisou. Dimitrisou. Wow, ça alors, Ethan Winters. Tu as survécu au jeu de mon idiot de frère, à ce que je vois. Voyons voir ce que tu as de si spécial. Bien, bien, bien. Ouch. À perdre de sa santé. Alors dévorons sa chair sans tarder. Mais c'est moi qui l'ai capturée. Pas si vite, les filles. Je dois d'abord prévenir Mère Miranda. Mais ensuite, il y en aura bien assez pour tout le monde. Accrochez-le. Accrochez-les. Non, attendez. Je fais tout ce que vous voulez. Oh, fais attention à ce que tu dis, Ethan. Faites-moi descendre. À vous. Ouch, un peu beaucoup. Tiens, sans ces cannes-sans, hein. Des mains. Tu vas-tu te déchirer les mains? Ouch! Calisse! Oh,
cela. Il faudrait quelque chose pour sauvegarder bientôt, vu que je vais... Où est-ce qu'elles ont emmené Rose ? J'arrive. Tantôt, je suis en train de lire de... Bien, quand tu vois... Le visage des quatre anges. Ce n'est qu'alors que vous trouverez. Pas quatre anges. Ah, merci, merci. Dernière mort, peut-être bon plutôt. Ce week-end. Et ben.
Toi, Vitico du château du Mestricou remonte au 15e siècle, bien avant l'arrivée des occupants actuels. Dimitrou a combiné les techniques, un procédé dont elle a le secret pour enrichir l'intensité des saveurs du vin et lui conférer un bouquet épais. Son meilleur millésisme est le Sanguis Virginis, qui signifie sang de vierge, mon préféré moi aussi. Il est conservé dans une bouteille spéciale décorée de fleurs argentées. J'aime pas les vierges. Ah, faut mettre de quoi là? Ok, j'ai encore. Fermé de l'autre côté. Ah, j'ai pas venu par ici. Ed. Vu, c'est quoi? Fonctionne-tu ça? Oh, c'est dedans en plus. On va revenir au début en claquant des doigts. Ouais, mini en porte là. Ça. Pas trop. Oh.
Est-ce que c'est la démo du jeu? Non, non, c'est le jeu officiel. Sorti aujourd'hui. Une heure et demie quand il joue, un peu 1h45 environ. On est au premier mystère que je suis pris. Je ne serai pas content. Il y a peut-être quelque chose à faire dans la hall que j'ai pas vu. Je vais revenir. Comment t'es là? Ah, bon. Dis-moi, mon petit gros. Les affaires sont les affaires. Avez-vous retrouvé votre fille? Non. Si elle est vraiment ici, il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés. Ah, je peux pas sauvegarder. Ça va être terminé, les amis. Elle-même. Pourquoi ne pas jeter un œil? Sait-on jamais. En parlant de jeter un œil, regardez ce que j'ai en boutique. Bienvenue. Ne faites pas attention à moi. Soyez prudent. Labyrinthe de Norstein, artisan de la fin du 19e siècle. Norstein fut qualifié d'hystérique puis banni de sa patrie. Il ralentit avant de s'installer dans un village isolé. C'est là qu'il créa quatre labyrinthes. Le château, la maison sous la colline, le moulin à eau et la tour de fer. Une fois ceux-ci achevés, il se mit un pistolet sur la tempe. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui pour Resident Evil, le village! Live, la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!